Ok, bonjour. Je vous présente cette super machine TechnoGym Unica qui vous permettra de faire plein d'exercices, musculation, surtout de musculation dure. Là, c'est pas vraiment le cardio qu'on travaille ici. On va faire travailler les jambes, les pectoraux, le dos. La finition est très très bonne. Ok, avec cette machine, vous pouvez faire travailler les pectoraux comme ça. Et vous gardez le dos bien droit. Vous pouvez faire travailler le dos. Fait comme ça. Alors vous avez deux. Vous avez deux positions. Vous pouvez le faire comme ça. Gardez le dos bien droit et descendez pas trop. Voilà. En général, il ne faut pas descendre plus que le cou. Voilà. Vous pouvez le faire aussi devant. Je vous mets le lien dans la description de cette machine et aussi de machines équivalentes. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais carrément, il n'y a pas une corde là, mais il y en a deux. Vous voyez, ça offre une meilleure stabilité et une plus grande résistance. On remarquera aussi que les câbles sont en espèce de nylon. Vous voyez, ça coulisse mieux et on dirait qu'il y a moins de cassement. Vous pouvez le faire en reverse comme ça et vous pouvez le faire en reverse comme ça. Vous approchez, vous maintenez le dos bien droit, bien. Vous pouvez le faire avec les deux bras rapprochés, comme ça. Donc là, on sent que ça tire bien. Alors, cette machine vous permet de pousser jusqu'à 90 kg. Vous avez ce qui est plutôt pas mal. Sur la façade, vous avez les exercices que vous pouvez faire. Ça vous évite d'avoir un poster ou un truc comme ça. Donc essayez de toujours de maintenir le dos bien droit. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez faire travailler les pecs. Donc on remarquera que les finitions, finalement, c'est du vrai cuir. Cuir plein de fleurs, donc c'est évidemment ça à entretenir. Donc toujours. Les pecs, comme ça. Vous pouvez faire énormément de mouvements avec cette machine, de mouvements différents. Après, on va voir pour les jambes. Là, vous voyez bien le bas de la machine. Vous pouvez faire travailler les jambes. Vous pouvez faire travailler les cuisses. Ouais.
Donc à savoir, toutes les charges peuvent monter à chaque fois jusqu'à 90 kg. On peut faire travailler les pectoraux ici, les biceps. Donc moi ce que j'aime bien, alors c'est pas toujours, vous faites pas toujours les mêmes exercices, mais vous essayez d'alterner, histoire de ne pas gonfler bêtement, mais de rester quand même assez équilibré. Donc alors c'est appréciable en fait le fait que vous pouvez justement pas besoin de changer tout le câblage et tout à chaque fois. Là tout est. Vous pouvez changer d'une. Donc toujours, vous pouvez monter, toujours pour le dos. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ah, c'est bien, toi. C'est pas souvent qu'on a accès à des machines comme ça. Ah, mais c'est pas, c'est très bien. Ouais, ça c'est cool. C'est très bien. C'est bon pour le cœur. Ah oui, c'est pour les pieds. Ouais. Allez, bonne journée. Donc là, le dos, faire travailler les bras. Alors, vous avez aussi des barres derrière, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être c'est comme ça qu'on doit faire. Donc on remarque là, je suis à 80 kg, ça ne tremble pas. La machine est très très stable. Donc là, on va dire que cette position va faire surtout travailler les dips. On va essayer un peu les pecs avec 80 kg, voir ce que ça donne. Ça risque d'être un peu dur là. Je crois que ça s'appelle butterfly cet exercice ou. Enfin, je m'en rappelle plus. Ah oui, on sent que ça tire là.
Là, c'est du lourd. Alors, par contre, si là, vous n'arrivez pas, vous voyez, si c'est pas assez remis, vous pouvez juste lever, donc ça reste toujours à 80. En fait, vous avez la possibilité de décaler les poids pour mieux les attraper. Donc toujours, on observe que ça ne tremble pas. Là, on est à pratiquement à pleine charge. Là, on est à 80 kg. La machine est complètement stable. Finalement, cet exercice, c'est un peu comme les barres, vous voyez, quand vous êtes avec les haltères, mais finalement avec celle-là, ça vous évite de ne pas vous blesser, hein, avec la barre qui vous tombe dessus. Au final, ceci est une très bonne machine, je vous la conseille. Je vous mets le lien dans la description de cette machine et aussi de machines équivalentes, donc de machines qui sont à peu près similaires, si cela vous intéresse. Vous pouvez vraiment faire avec cette machine un lot de mouvements considérables. C'est pas installé sur la machine, mais en bas, je vous montrerai. Vous pouvez aussi tirer et faire des tas d'exercices avec un anneau. Donc là, finalement, avec cette machine, globalement, vous pouvez vous faire travailler l'intégralité du corps. Peut-être pas le... Si, même le cardio, si, ça dépend du type d'exercice, si vous le faites en basse charge, mais de manière très très rapide. Des petits exercices tranquilles. On va repartir. On va essayer. On va repartir avec ça. Ah, 50 kilos, c'est dur. Allez, on est reparti. Allez, on termine par les jambes et après je vais vous faire le tour de la machine histoire que vous voyez un petit peu les finitions.
Donc là, Unica Techno Gym. Vous pouvez voir. On notera que le siège est réglable. Allez, c'est fini à tous pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets le lien du produit dans la description si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations de produits. Salut! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.